Alors pourquoi un robot pour le revenu de base? Parce que ça représente un peu le monde du travail aujourd'hui où on n'a pas trop, on ne nous donne pas trop la possibilité de réfléchir. Et puis il y a aussi de plus en plus de robots qui prennent des emplois. Et c'est génial en fait, c'est génial. Parce que je pense qu'il y a 50 ans, si on demandait aux gens qu'est-ce que c'était l'avenir, on aurait dit bah moins travailler quoi. Et on a la possibilité de moins travailler aujourd'hui. Bah profitons-en quoi, c'est génial, on a plein de choses à faire, d'autres choses à faire que travailler, on peut passer du temps ensemble, on peut répartir l'argent différemment, on peut aussi peut-être moins produire, on peut supprimer des emplois à la con qui sont pas épanouissants et ça c'est super. Moi je pense qu'on a vraiment les possibilités aujourd'hui de construire un monde meilleur où tout le monde a plus de temps pour passer du temps ensemble, pour être en bonne santé et pour bouquiner, pour faire du sport et c'est une très bonne chose. Il faut juste saisir cette opportunité d'avoir du temps libre et puis d'assumer et de changer de vision un peu du monde. Super, allons-y alors. Allons. Alors, le revenu de base, c'est un revenu qui permettrait à un certain nombre de personnes d'avoir, quoi qu'il arrive, une source financière régulière, sans condition. Et après, le montant sera déterminé par une comité politique en fonction d'un constat qui sera établi au préalable, afin de soit de lutter contre l'extrême pauvreté, soit pour l'émancipation salariale. Je pense vraiment qu'il faut réinventer un autre modèle aujourd'hui et le revenu de base est une idée intéressante pour casser le système tel qu'il est actuellement et qui fait de l'inégalité de manière extrêmement prégnante. Quelle est la position de LV à ce sujet-là? Alors l'ELV est pour le revenu de base bien évidemment. On est en train de définir comment est-ce qu'on pourrait l'expérimenter pour convaincre le plus grand nombre que c'est une bonne idée. Donc on travaille à des terrains d'expérimentation ou à des populations d'expérimentation. Contente de la manif? Oh écoute, très mouillant, magnifique, une grande manifestation, surtout c'est la première manifestation où il y a le mouvement français pour le revenu de base. La robot a bien défilé, donc elle a un peu le pied mouillé, mais on va la sécher et tout ira bien. Alors c'est quoi la suite pour la robot? Alors la robot, c'est le 30 mai à Givors pour Alternativa, et puis après peut-être les dialogues en humanité. Alors Sylvie, est-ce qu'on peut être heureuse sans travailler? Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je suis heureuse et je ne travaille pas. Tu ne travailles pas? J'arrête pas, mais je ne travaille pas. Tu n'as pas d'emploi? Ah, je m'occupe d'un truc qui s'appelle Mouvement français pour le revenu de base. Ah ouais. Et puis plein d'autres choses. Je n'arrête pas.